Salut les amis, une nouvelle petite vidéo sur Journal de Berger. Alors aujourd'hui, comme tu le sais, quand les bêtes chôment, je m'occupe un peu à la cabane. Là, je vais déjà prendre le seau, parce que j'ai besoin d'un seau. Moi, je vais même en prendre deux. Bon, non, ce sera déjà assez. Et je vais faire un petit travail aujourd'hui, qu'il fallait que je fasse depuis un petit moment, mais je trouvais pas le temps. Alors, en fait, c'est un petit travail qui concerne autour des bacs à eau. Parce qu'en fait, les bacs à eau, au bout d'un moment, là, ils débordent. Puis alors, c'est tout humide. Attends, je vais le montrer. Tu vois, il y a l'eau. Là, ça coule un peu. Donc, c'est un peu tout humide et mouillé, plein de boue, ça fait. Donc, je vais aller chercher des pierres et pour les mettre tout autour des bacs à eau. Et puis, alors là, tu vois, il y a le trop-plein du bac qui coule. J'avais déjà creusé une rigole pour que ça reparte là directement. Donc là, ça coule pas dans le parc de nuit, mais ça coule à côté. Mais là, je vais mettre toutes des pierres aussi. Donc c'est un peu ça la mission du jour, de faire un truc, parce que quand les brebis marchent dedans, c'est pas bon, tu chopes toutes les misères du monde avec les pattes. Donc j'ai un endroit où il y a des pierres près d'un parc de nuit et je vais aller les chercher. Alors pour ça j'ai pris un petit seau et je ferai quelques voyages avec des pierres. Tu vois, ça fait partie aussi du métier de berger, on s'occupe quand on est à la cabane. Là juste avant de manger, parce que là il était 11h30. Et je vais ramasser quelques pierres qu'il y a ici. Ce n'est pas des trop grosses pierres, c'est ça qui est bien. Et vu que j'avais un parc, elles sont assez apparentes. Tu vois, regarde. Il y a plein de petites pierres comme ça. Et je vais les ramasser. On va essayer de ramasser un peu toutes les pierres. Au moins, ça servira près des bacs à eau. Puis elles sont pas trop loin, c'est ça qui est pratique. Hey, nénette, ça va chouchou? Ah oui, il ramasse des pierres, nénette. Comme ça, les brebis, elles ont pas trop de problèmes de pattes. De toute façon, là, le problème de pattes, ça va déjà bien mieux. Que ce soit trop lourd non plus. Passer ce qui a été le 2. Celle-là, elle est... Voilà. Je pense qu'il y a déjà pas mal pour le premier trajet. On va déjà aller vider ça. Oh. J'ai pas mal chargé le seau. On va essayer de pas se prendre les pieds dans le filet. Avec la vue toujours aussi magnifique. Et ouais, on s'occupe comme on peut. Il y a toujours du travail. Celui qui dit qu'il n'y a pas de travail, c'est pas vrai. Attends, j'ai tort de poser là. Là, hop, là, tu vois, c'est de la boue. Je vais essayer de bien les disposer. Faire comme un petit pavage. Ce sera top comme ça.
Voilà. Ah. Finalement, j'ai fait un splash debout. On a quand même une certaine tranquillité ici, où il n'y a personne. C'est vrai que quand tu es comme ça seul en montagne avec tes chiens et tes animaux, bah tu as tendance à te déconnecter un peu du monde réel, on va dire, et de toute cette population, quoi. Mais ça fait du bien. Faut aimer la solitude, quoi. Grosse pierre, ça c'est bien. On prend ce que la montagne nous offre. Il y a une belle. Il y en a qui vont ramasser des œufs de poule ou des champignons. Et moi je ramasse des pierres. Je pense qu'après quelques sous, ça devrait être pas mal. Ça devrait être pas mal. Hop. Hop, là, il y en a encore. Voilà. Je devrais être pas mal. Nénette, t'en penses quoi? T'as chaud toi? Hop. Les chiens, ils ont la belle vie ici. Tu penses bien? Nénette, t'as la belle vie. Chouchou. Bibi, lui, il est au frais. Il s'est mis au frais. Bon, allez. Je vais faire ça et puis je te reprends quand c'est fini pour te montrer un peu le résultat. Je viens juste d'avoir fini d'avoir mis les pierres au bac à eau et là j'ai fait un petit système, tu vois. J'ai enfoncé deux grosses barres à béton et je me suis fait un petit portillon pour le soir quand elles vont boire. Ben, moi je peux quand même aller sans enjamber tout le temps le filet. Et là je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc tu vois, ben là j'ai mis toutes des pierres et au moins il n'y a plus de la boue, tu vois. C'est déjà quand même beaucoup mieux, tu vois. Donc. Et là, j'ai fait pareil. J'ai mis des pierres. Hop, avec mon filet. Comme ça, elles peuvent passer juste à côté. Des grosses pierres, comme ça, on peut marcher dessus. Et de l'autre côté, j'ai fait pareil aux endroits où il y avait de l'eau. Alors, j'ai quand même fait quelques sauts de pierre, mais en attendant, c'est fait. Le boulot est fait. Et je suis assez content du résultat. Donc, au moins, elles n'auront plus les pattes dans la boue quand elles iront boire. Et voilà, bon, je crois que je vais rentrer un peu à l'intérieur parce que putain, il fait chaud à mort là. Il y a le soleil qui tape. Donc voilà, je vais te mettre peut-être quelques images de garde et tout ça juste après. Donc, n'oublie pas de t'abonner, liker la vidéo, commenter, ça me fait toujours plaisir et j'y réponds assez rapidement à tes commentaires. Et si tu veux nous soutenir, il y a le lien Tipeee. Donc voilà. Je te dis à la prochaine et ciao, et je te laisse avec de belles images là.